السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد شهيتي في دورة تعلم لغة الجافا سكريبت. في هذا الفيديو غادي نشوفوا إن شاء الله بإذن الله لي فونكسيون. ألوغ نبداو إن شاء الله بإذن الله. دونك كيف كتعرفوا أن لي فونكسيون افيك جافا سكريبت كيبداو بهاد لا نوتاسيون أو بيان افيك هاد لو سكريبت هذا. باغ إكزومبل فانكشن je sais pas مثلا فو cette fonction par exemple affiche مثلا console.log hello hello world donc c'est une simple fonction نسميوها مثلا hello donc cette fonction من غير تخدم حتى نعيط لها ندير لها لابيل donc maintenant je vais essayer d'appeler la fonction par exemple. Donc, mettons hello. Alors, je trouve le browser d'Yana. Regardez tout simplement la console hello world. Juste. Alors, on passe directement la section de named function. Donc, named function. Alors, par exemple, je vais essayer de nommer une fonction, par exemple named, named sum, donc une fonction de qui fait la somme, somme de a avec b. Donc tout simplement, cette fonction va retourner quoi? Va retourner a plus b. Alors, juste une autre fonction, par exemple var annonSum. Donc cette fonction va prendre juste les paramètres a et b. Donc c'est une fonction anonyme sans indiquer le nom. Donc voilà, c'est la fonction anonyme. Alors, on va retourner tout simplement a plus b. A plus b. Si j'appelle par exemple named sum 1, 3, donc la fonction a dit 4. Alors, c'est named sum. Voilà, c'est named sum de 1, 3. C'est ça. Donc, alors, je vais essayer. Il y a une erreur. Alors, on va chercher où est l'erreur. Alors on va reprendre. Donc toujours, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est la source est juste. Alors j'ai appelé à la fonction. Oui. Donc tout simplement, j'ai pas affiché cette fonction. Console.log. Voilà le souci. Alors, c'est 4. Juste. Alors, si j'appelle à la fonction anonyme, console.log anon sum de 1, 3, tout simplement, c'est le même résultat. Alors, on a vu maintenant les fonctions nommées. Donc, c'est une fonction anonyme, voilà, avec son nom et avec nom. Alors, en passant maintenant. Maintenant, on a vu comment déclarer une fonction, comment je peux aussi manipuler les named functions, et voilà l'erreur est la lire. Donc, tout simplement, cette fonction m'arrive à exécuter parce qu'il y a une différence entre les named functions et les fonctions anonymes. Alors, on passe maintenant à une autre section, c'est bending. Les arguments ou bien this, on s'appelle this, and argument, les fonctions d'Yana. Donc tout simplement, on va utiliser la version qui est supérieure à 5.1. Donc, j'efface ça et donc on va prendre un autre exemple. Par exemple, var monitor, donc. Cet objet
va prendre par exemple threshold 2.5, c'est un objet, donc c'est pas un tableau, c'est un objet. Alors check va prendre une fonction, function value. Cette value, donc par exemple, je vais faire le test si la value des any sur l'objet this.threshold. Alors, je vais displayer par exemple this.display. Display, c'est une autre fonction, par exemple display value is too high. OK. Maintenant, je vais rassembler la fonction d'Eli. Donc, drna check. Après, je vais faire display message. Donc, cette fonction va prendre un message et affiche un alerte. Message. Tout simplement. Alors, quand je tape par exemple monitor.check set. Donc, voilà le résultat de l'aide. Donc, value is too high. Super. Si je fais par exemple var bad. Maintenant, dire comment elle a dit, je me suis installé l'exécution. Bad check. Alors, par exemple, monitor.check. Et je fais bad check 15. Alors, est-ce que cette fonction va être exécutée ou non? Alors, je fais monitor, bad check. Voilà. Donc, tout simplement parce que je peux accéder la valeur des, yani, je donne des threshold. Donc tout simplement c'est yani, dans la variable ou bien l'objet monitor. Alors si je fais par exemple var check, qu'est-ce que il y a monitor point check point bind, donc c'est bindy yani, l'objet. Alors, si je fais par exemple check 15, donc maintenant il y a une différence. Voilà. Donc la valeur maintenant est affichée. Après tout d'abord, il est juste sans bind, donc tout simplement la liste exécutable. Donc avec bind, va être exécuté. Alors, si je fais par exemple var check 8, c'est où il y a moniteur. Point check point bind point ou bien monitor virgule 8. Donc je vais binder l'objet d'ELI avec la valeur 8. Alors tout simplement quand j'appelle à check 8, donc je vais binder la valeur avec monitor ou non, donc tout simplement oui. Voilà, alors jusqu'à maintenant je fais bind avec this et les arguments. Alors, je pense à notre là les fonctions anonymes. Alors, les fonctions anonymes, je fais un petit exemple à la fonction anonyme. Donc maintenant, je vais essayer de prendre un autre exemple. Par exemple, la fonction foo. Donc, c'est une fonction va retourner par exemple hello. C'est une fonction anonyme. Tout simplement. C'est pas une fonction anonyme, pardon. C'est une fonction nommée. Donc, si je fais par exemple function et je vais retourner par exemple one, donc c'est une fonction anonyme, mais cette fonction, la version, donc tout simplement, si je fais par exemple var foo, que c'est oui function, et cette fonction va prendre quelques moi m'a dit l'instruction d'Anna. Donc quand j'appelle foo, donc tout simplement on va exécuter la fonction. Si je fais cette fonction elle est tout seul, donc ça marche pas. Alors voilà, c'est ça les fonctions anonymes. Par exemple, je vais essayer maintenant de taper un autre exemple var. Je vais déclarer un tableau nums, on va prendre 0 1 2. Donc voilà, et var
double nums, donc nums.map. Donc voilà la fonction map. DLI, c'est une boucle. Function, je vais prendre element et je fais return. Return quoi? Element fois 2. Donc va boucler sur le tableau et chaque référence sur le tableau va doubler de la valeur. Donc tout simplement, quand j'appelle double nums, est-ce que donc c'est-à-dire console.log, voilà. Et maintenant is not a function, juste il faut quoi alors tout simplement nums, voilà le tableau d'Yana, point map function element. Alors je vais reprendre, pourquoi console.log double nums. Voilà. C'est 0, 2 et 4. Tout simplement, voilà, notre vidéo a été terminée. أتمنى إن شاء الله تكون استفدتوا معنا ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله.